Mesdames et messieurs, pour le respect des artistes, veuillez éteindre tout objet électronique pouvant déranger lors du spectacle. Nous vous rappelons qu'il est interdit de filmer, sauf pour les personnes ayant une autorisation. Nous vous remercions pour votre collaboration et nous vous souhaitons un bon spectacle. Ladies and gentlemen, we ask you to please turn off your cell phones and cameras. We remind you that it is forbidden to take pictures and to film, except for authorized people. We thank you for our cooperation and we wish you a good show. Дамы и господа, мы вас просим выключить ваши телефоны, фотоаппараты и видеокамеры. Пожалуйста, следите за вашими детьми, чтобы они не шумели и не бегали по залу. Мы вам желаем хорошего спектакля. Dans un pays lointain, un petit royaume paisible et prospère qui aimait préserver les traditions et vivre selon les anciennes coutumes. Dans une des maisons de ce royaume vivait un gentilhomme veuf et sa fille Cendrillon. Quoiqu'il soit un père très délicat qui aimait sa fille et s'occupait d'elle, lui offrant le luxe et le confort, Cendrillon avait besoin d'une mère. Donc, le veuf se maria de nouveau, choisissant comme épouse une femme de bonne famille qui avait deux filles du même âge que Cendrillon. Mais ce fut seulement après la mort du père que la belle-mère montra son vrai visage. Froide, dure, sévère et envieuse de Cendrillon à cause de sa beauté et de son caractère doux. Alors, de bien mauvais jours commencèrent pour la pauvre belle-fille. Dans la maison, tout était gouverné par la belle-mère et ses filles, qui d'ailleurs lui ressemblaient tant par leur physique que par leur caractère. Toutes les trois offensaient et humiliaient Cendrillon, la faisant servante dans sa propre maison. Mais malgré cela, Cendrillon restait la même, délicate et gentille, parce qu'avec l'arrivée de chaque nouvelle aube, elle croyait qu'un jour ses rêves de bonheur se réaliseraient. Thank you.
Sorry. So sorry, Cinderella, Cinderella.
орешки ложкой ладу-ладу, и ложками в ножке ладу-ладу.
royaume avec leurs femmes et leurs filles. De Cendrillon furent aussi invitées. Elles en étaient toutes contentes. Les voilà bien occupées à choisir leurs habits et les meilleures coiffures pour impressionner les gens et séduire le prince. C'était elle qui devait empeser les jupes de ses sœurs, repasser leurs robes et en coudre des cols et des manchettes. Thank you.
amèrement parce qu'elle ne pouvait pas aller au bal elle aussi, qu'elle ne remarqua même pas que tout à coup, à côté d'elle, était apparue une fée qui non seulement entendait ce qu'elle disait, mais aussi ce qu'elle pensait.
Vas-y, Cendrillon, et rappelle-toi, tu dois être rentrée à la maison à minuit. Si tu es en retard, même d'une seule minute, ton carrosse redeviendra citrouille, tes chevaux des souris, tes laquais des lézards, et ta belle robe reprendra sa forme sale et rapiécée.
Yeah.
chez elle bien essoufflée, sans carrosse, sans laquais et vêtue de ses méchants habits. Il ne lui restait rien de toute sa magnificence qu'une de ses petites pantoufles, toutes pareilles à celles qu'elle avait laissées tomber en s'enfuyant sur le coup de minuit. S'ajusterait parfaitement à la pantoufle de cristal. Yeah.
Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Nous espérons que notre histoire vous a plu.
directrice artistique et chorégraphe de l'ensemble de danse La Fantaisie, Irina Chirka. La conteuse, Thérèse Perrault. Le montage musical, Yevgeny Filonin. Le montage vidéo, Vitaly Ryutsky. Les dessins, Natalia Glukov. L'enregistrement de voix d'auteur, Sergei Trofanov. Les chorégraphies, Irina Chirka, Alona Ryutsky, Rachel Santos et Sheila. Les costumes, Надежда Коваленко, Екатерина Филиппова, Аляна Киоси и Декор Парти. Éclairage et son, Collège Jean.